Je suis franco-britannique. Je conduis comme à pied. Je ne sais pas calculer. Je ne sais pas cuisiner. J'ai pas mal d'humour. Je déteste les gens qui sont en retard. Je suis capable de lire toute la nuit si le livre est bon. J'écris des histoires qui souvent n'ont pas de fin et qui énervent beaucoup mes lecteurs, pardon, mes chers lecteurs. Je ne me rappelle jamais de mes rêves, alors je les écris. Bonjour Tatiana. Bonjour Valérie. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes l'une des écrivaines préférées des Français. Vos romans sont traduits partout dans le monde, régulièrement adaptés au cinéma, à la télévision. On va parler de votre dernier roman, Nous irons mieux demain, mais avant... Un petit peu d'escalade ? Oui, un petit peu d'escalade, tout là-haut. Tout là-haut ! Pour aller voir cette tour Eiffel que vous avez eu le culot de faire disparaître de l'un de vos romans. Alors, c'est dans les fleurs de l'ombre, mais je vous rassure, Valérie, ce n'est que de la fiction. Je suis bien trop attachée à la tour Eiffel pour la faire disparaître. Vraiment, je l'aime trop. Je suis une amoureuse, une inconditionnelle de la tour Eiffel. Allez, on y va ! Allez, on y va ! On y va ! Elle a longtemps été la tour la plus haute du monde. Avec sa silhouette de fer de 330 mètres de haut, son éclairage nocturne, elle continue de défier le ciel de Paris, symbolisant à la fois la prouesse, le défi technique, la beauté et la pérennité. Au fil des années, elle s'est imposée comme le symbole de la France, sans jamais perdre de son mystère. Poète, peintre, écrivain, cinéaste, photographe, tous ont tenté de la capturer. Mais y sont-ils vraiment parvenus ? Au départ, n'était pas prévu qu'elle reste ici. Elle devait être détruite au bout de 20 ans. Qu'est-ce qui a permis qu'elle reste ici, finalement ? Gustave Eiffel, après 20 ans, s'est dit « mais il faut que je trouve quelque chose. Je ne vais pas la détruire. Il faut que je trouve vraiment quelque chose que je prouve que cette tour Eiffel a du succès. » Et il s'est dit « je vais mettre des paratonnerres. » Il a mis 4 paratonnerres au sommet. Après, il a mis un phare, comme les vrais phares qu'on trouve dans les ports. Il faut qu'on la voit de loin. Et ensuite, il a mis des anémomètres, il a même mis à la fin une soufflerie en bas de la tour Eiffel. Donc il s'est dit, avec ça, ils ne pourront pas l'enlever. Il a même mis une antenne au sommet pour l'armée. Voilà, donc avec ça, heureusement, elle est toujours là. Tatiana, l'histoire de la tour Eiffel, évidemment, vous la connaissez par cœur, puisqu'on a fait appel à vous pour le scénario du film Eiffel, incarné par Romain Duris. C'est à vous, notamment, que l'on doit tous ces flashbacks dans le film. En tout cas, l'idée des flashbacks, c'est la vôtre. Alors, en fait, le scénario magnifique existait déjà, écrit par Caroline Bongrand. Il était juste linéaire, en fait. Moi, j'ai simplement changé l'ordre. Et donc, on commence par la tour, l'inauguration... Romain Duris, alias Eiffel, tout seul là-haut dans son bureau qu'on va peut-être voir à un moment, et une mystérieuse femme. Il faut voir plus libre, plus audacieux. Une tour, 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité, aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Oui, mais je crois que la tour Eiffel, elle est... fréquemment repeinte. C'est le cas en ce moment, pourquoi ? On est dans la 20e campagne de peinture. Donc cette année, on a dû la décaper parce qu'il y avait tellement de couches qu'il fallait enlever vraiment ces grosses couches. Donc c'est avec des espèces de petits piolets qu'on enlève ça. Elle était rouge vénitien. C'est très important d'avoir la peinture sur la tour Eiffel. C'est elle qui renforce vraiment la ferraille. La structure.
Wim, petit test. Parce que moi, j'ai l'impression que ça bouge. C'est une impression seulement, j'imagine. Alors, ça bouge forcément. Pourquoi? Ça bouge déjà parce qu'il y a du vent, comme vous pouvez vous en rendre compte. Il y a le vent. Donc, la pointe de la tour Eiffel, elle peut faire une oscillation de 15 cm. Il faut savoir que la tour Eiffel bouge aussi. Avec le froid, elle se rétrécit. Et avec la chaleur, elle se rallonge. Quand vous joignez vos deux pieds et vous fermez les yeux, vous allez voir que ça bouge. Ah oui, c'est vrai. Qui venait régulièrement dans ces appartements privés? Il y a le tsar Nicolas II qui est venu. Il y avait des reines, des rois. Ceux qui venaient à Paris, ils ne pouvaient pas venir, comme ceux qui viennent aujourd'hui à Paris. Ils ne peuvent pas venir à Paris sans venir à la Tour Eiffel. Et ceux qui connaissent moins la Tour Eiffel, ce sont les Parisiens. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Je t'aime Paris, je t'aime Paris. My heart beats faster at the very thought of you. Je t'aime Paris, je t'aime Paris. Like so many others, I've fallen for you. Tatiana, votre dernier roman vient de sortir. Il s'intitule « Nous irons mieux demain ». Un mot du titre, ce sont les derniers mots de l'un de vos auteurs fétiches, Émile Zola, qui est presque un personnage à part entière dans ce roman. C'est quelqu'un avec lequel vous voyagez dans l'existence? Depuis mes 13 ans, en fait. Mais je n'avais pas du tout prévu vraiment d'écrire sur lui. Je précise que ce n'est pas une biographie. Hein. Il s'est invité dans ce roman. Ce roman démarre comme un polar. Et donc, j'ai pu raconter sa vie que personne ne connaît vraiment très bien et raconter aussi sa mort que personne ne connaît très bien non plus. C'est un livre qui nous parle d'emprise, de l'emprise qu'exerce une femme d'âge mûr sur une jeune femme un peu fragile qui elle-même est prisonnière de ses propres chaînes puisqu'elle déteste son corps, elle lutte contre une anorexie, boulimie. Cette emprise-là, celle que l'on s'inflige à soi-même, c'était important pour vous d'en parler ? Je n'avais pas du tout prévu d'en parler non plus. Ouais. Puisque ce roman démarrait comme un polar, mais en fait, ce n'en est pas un. C'est un polar qui a viré vraiment à quelque chose de très personnel pour moi. Mais comme il est question d'emprise, de cette Dominique qui a une certaine emprise sur Candice, et Candice lutte contre cette boulimie anorexie, je n'avais pas prévu non plus d'en parler. C'est quelque chose que j'ai vécu, dont j'ai beaucoup souffert pendant 25 ans de ma vie, donc c'est quand même assez long. Donc c'est finalement un livre très, très personnel, puisque je raconte ce que c'est d'être sous cette emprise-là. C'est très compliqué d'en sortir, mais j'ai réussi. Et Candice aussi va aller vers la lumière et va aller mieux. Il faut quand même le préciser, beaucoup de mes livres se terminent dans une certaine noirceur. Ce n'est pas le cas là. C'était difficile d'en parler pour vous? Ça a été douloureux de faire ce chemin-là? Ce qui est compliqué, en fait, c'est d'en parler aujourd'hui, maintenant, avec vous. C'est un discours que je n'ai pas du tout rodé. J'ai l'habitude de parler de mes livres, mais mes livres sont rarement aussi personnels. Donc là, je dois trouver un discours qui n'est pas encore polissé sur ce que c'est de mettre ces mots-là, sur ces mots M-A-U-X, qui m'ont tellement longtemps tourmentée. Et je pense que le message, en fait, que j'ai envie de dire, c'est que si jamais vous souffrez de TCA, trouble du comportement alimentaire, vous ou quelqu'un que vous connaissez, il faut absolument en parler. Il y a des structures qui existent. Pendant le confinement, ces troubles ont explosé dans le monde entier, pas seulement en France. Beaucoup de personnes de tous les âges sont touchées, donc il faut absolument en parler et peut-être que mon livre va aider. Le roman qui change tout, c'est « Elle s'appelait Sarah », publié en 2007 sur la rafle du Veldiv, roman vendu à 11 millions d'exemplaires, traduit dans 38 langues, adapté au cinéma. Pourtant, ce roman, et c'est complètement incroyable de le dire, a été refusé une quarantaine de fois avant d'être publié. Comment vous l'expliquez? C'est incroyable, c'est fou. Vous savez, avant de publier ce livre, j'avais également publié toute une série de romans qui ont été très confidentiels, en fait. Donc, quand il y a eu tous ces refus, je me suis dit, c'est certainement un livre qui n'a pas de promesses, qui ne va pas attirer les lecteurs. Donc, je me suis résignée, en fait. Et je me suis même dit que j'allais arrêter d'écrire. Donc, j'étais pigiste à l'époque, je faisais des traductions, je participais à des scénarios. Puis un jour, il y a une éditrice, il faut la citer, Louise d'Ormesson, qui a eu la folie ou l'audace de publier un roman que tout le monde avait refusé partout. Moi, je dirais que c'est un alignement des planètes. En fait, tout était au vert à ce moment-là, précisément en 2007. Peut-être qu'avant ou après, ça n'aurait pas marché comme ça. Après, il y a eu le film, qui a eu beaucoup de succès aussi. Donc, je sais que toute ma vie, on me dira, vous êtes l'auteur d'Elle s'appelait Sarah. Il y a même des gens qui viennent me dire dans mes dédicaces, c'est un peu compliqué à entendre, mais ils me disent,
J'ai tellement pleuré avec votre livre, m'avait tellement secouée, m'avait tellement bouleversée que je ne veux plus lire aucun livre de vous. D'accord. Donc ça, c'est un peu troublant. Starzinski Vladislav, Starzinski Rimka, déporté et exécuté à Auschwitz en 1942. Pas de Sarah, ni de Michel. Je suis sûre qu'ils sont évadés. Tu cherches quoi en fait ? Je n'en sais rien. Monsieur, je vous en supplie. Fais ce que vous voulez de moi, mais n'amenez pas mes enfants, je vous en supplie. Vous êtes totalement bilingue, vous êtes franco-britannique, vous avez passé une partie de votre enfance aux États-Unis. Vous écrivez soit en français, soit en anglais. Elle s'appelait Sarah, c'est le premier livre que vous avez écrit d'abord en anglais. Alors pardon d'être direct, est-ce que ça ne signifie pas que votre plume est meilleure, plus efficace, plus percutante en anglais qu'en français ? Je ne sais pas, parce que j'ai écrit la moitié de mes romans en anglais, d'autres en français. Par exemple, Manderley Forever, qui a très bien marché, je l'ai écrit en français. Nous irons mieux demain, il a été écrit en français. Les fleurs de l'ombre, je l'ai écrit en anglais et en français en même temps. Mais comment c'est possible ? Mais je ne sais pas. D'ailleurs, comme le roman traite de ça, puisque mon héroïne est une écrivaine bilingue, donc j'avais sur mon ordinateur deux pages ouvertes, une en anglais, une en français, et j'allais de l'un à l'autre en permanence. J'adaptais, j'auto-adaptais en permanence. Ça a été à la fois très excitant, mais absolument épuisant. J'avais de la fumée qui sortait des oreilles, je crois. J'aimerais bien recommencer, mais je sais qu'on y laisse tout, quoi, en fait. On donne tout et on laisse tout. Votre second roman, Célestine Dubac, a été refusé il y a 30 ans. Vous l'avez donc publié 30 ans plus tard. Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans ce roman? Et surtout, est-ce que vos lecteurs se reconnaissent, vous reconnaissent? On aurait pu croire que l'écrivaine mûre d'aujourd'hui regarderait un peu ce texte avec une certaine condescendance. Mais c'est plutôt la jeune Tatiana qui a dit à la Tatiana plus mûre, tu es capable d'écrire sur des sujets très sombres, puisqu'il est question d'une sans domicile fixe, de sa vie. Tu es capable d'aller vers le noir sans forcément plomber tes lecteurs avec des fins épouvantables ou vraiment des éléments qui laissent tes lecteurs dans un désarroi total. Il y a de l'humour dans Célestine Dubac, qu'on ne retrouve plus tellement après dans mes livres. Et il y a surtout certaines scènes un peu coquines dans Célestine, dont on m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, mais au fond, j'ai des leçons à apprendre de cette jeune Tatiana qui écrivait peut-être de façon plus spontanée, moins calculée. Et donc, Nous irons mieux demain doit beaucoup à Célestine Dubac. Plusieurs de vos romans ont été adaptés au cinéma. Est-ce que vous avez participé à l'écriture des scénarios ou est-ce que vous avez confié aveuglément votre livre en toute confiance? Alors, vous savez, moi, j'ai compris dès le départ que la personne qui fait le film doit apporter son propre ADN. C'est-à-dire qu'il prend votre roman, il ou elle en fait un autre film. Là, je suis très excitée parce que Les Fleurs de l'Ombre vont être adaptées par Yann Gosselin, qui a fait Boîte Noire. Et j'ai lu le scénario. Alors, il prend des libertés avec le livre, mais c'est tellement bien. Ça va faire un film tellement extraordinaire. Et en plus, s'il y a l'actrice auquel ils espèrent une actrice américaine, mais juste là, ça va être dément. Donc moi, la seule chose que j'obtiens, c'est un petit passage en caméo. Je suis dans tous les films, comme Hitchcock. Je passe, c'est un petit... mais là, dans celui-là, dans Les Fleurs de l'Ombre, je vais avoir un rôle. Dans son Paris des Arts, Tatiana nous emmène à la rencontre de la peintre et céramiste Laetitia Dizon, dont les expériences de vie ont considérablement nourri son inspiration sur la toile. La découverte de l'Afrique, notamment, a eu une influence majeure sur son trait, qui s'est par la suite enrichi de la calligraphie arabe et asiatique. Je vous présente Laetitia Dizon. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Je crois que votre atelier, c'est par là. Allons-y. Vous aimez mélanger le fond et la forme, c'est-à-dire que vous aimez travailler différents supports et faire en sorte que ce que vous avez envie de raconter, de jeter sur une toile ou sur le papier, puisse se fondre avec le support, c'est ça ? Il y a des approches qui sont très différentes. Dans la plat, par exemple, ce qui est le cas de cette peinture, j'essaye de lui donner une notion de perspective parce que j'ai mis de la toile de jute juste en dessous, que j'ai mêlée. Et avec ce qui est déjà imprimé sur cette toile de jute ou de sac à patates, de sac de café, de sac de ce que vous voulez, l'impression qui est mise sur le tissu
va aussi jouer son rôle dans ma peinture. Après, il peut y avoir d'autres supports qui sont sur le papier découpé, où là, je donne une notion de 3D, de dimension, de perception, de volume, que je trouve intéressant et que j'essaye de transcrire aussi avec les toiles. Est-ce qu'elle nous raconte des histoires ? Ah, mais bien sûr. Je suis fascinée par sa créativité. Elle ne fait jamais la même chose, mais on reconnaît à chaque fois son style. Et c'est ça, je trouve, la marque d'un vrai artiste. C'est qu'on puisse dire, que ce soit devant une toile, un collage ou même les céramiques qu'elle fait aussi, on reconnaît tout de suite, on dit, c'est du Laetitia Dizon. C'est très introspectif ou vous allez la puiser à l'extérieur, l'inspiration ? Non, c'est un je ne sais pas. Et c'est ça qui est bien. Oui, c'est un exactement. Je ne sais pas. Donc voilà. Quelque chose qui vous dépasse presque. Complètement. Je veux dire, je peux partir sur une idée, puis tout d'un coup, je vais partir sur autre chose. Alors moi, je travaille beaucoup en musique. Ça, c'est très important. Et j'ai des notions de musique qui vont avec des étapes de peinture. Donc, quand je commence la création, qui est finalement la plus importante, puisque c'est la trame, après, on suit l'histoire, elle nous est donnée. Je suis avec des sons qui sont de musique classique, des chants psalmodiés, pour que je rentre dans ma bulle. Et là, ça part. Et là, c'est là le « je ne sais pas ». Ouais. Génial, non, je ne sais pas. C'est pareil. Oui, sauf que je ne peux pas travailler en musique, moi. Oui. Le silence, c'est vraiment très important pour moi. Donc, le téléphone est dans une autre pièce. J'ai même un bruit, une voix que j'entends ou quelque chose, ça peut me déranger. Mais effectivement, il y a ensuite ce chemin qu'on suit. Moi, il y a des choses que je n'ai pas du tout prévues dans mes romans et qui s'invitent d'elles-mêmes. Et c'est ça vraiment qui est fascinant et intéressant. Parce que si on savait tout à l'avance... Ouais. Ça serait très ennuyeux. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Merci à vous, Laetitia, de nous avoir accueillis dans votre atelier. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, on vous attend nombreux sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, le Paris des Arts Off. À très vite.